C'est quoi? C'est pas normal. Dis que le tout si c'est grave, c'est très grave. Papa, c'est quoi? C'est grave. Mon frère, il y a quoi? C'est même très grave actuellement au quartier Ange Raphaël Ndokoti Bepanda, campus de l'université de Douala. Ah bon? Il y a quoi là-bas? Voici la situation actuelle dans la ville de Douala, c'est alarmant, ça fait pitié. Ouais, la Tessie, on était venu faire quoi sur la Tessie? Hein, papa? Ouais, Fingon, laisse le mot, c'est du sérieux là. Papa, laisse ce que tu chantes là, explique-nous ce qui se passe. C'est grave. Wow, qui peut nous dire ce qui ne va pas? Papa, il gambie. Ça fait pitié. Pardon, qui peut nous expliquer la situation? Moi. Bon, laissez une personne parler. Non, laissez-moi parler. C'est anormal ce qui se passe. Vas-y, mon frère, t'écoute. Nous aussi, nous sommes les enfants des gens. Quitte là-bas. Laissez-le s'exprimer même. On parle des microbes qui viennent détruire le quartier. T'as quoi? Mon frère parle de quoi? On parle des microbes qui viennent détruire le quartier. Quoi? Des microbes. Qui sont les microbes? Quelques bandits. Hein? Armés de couteaux, machettes, bâtons. Massa, donc on voit les microbes à l'œil nu? Les images que j'ai vues sont insoutenables. Ah bon? Inimaginables dans un pays moderne. Stop la ville de Douala, l'un des plus grands capitales économiques en Afrique. Vraiment, c'est malheureux. Et le gouvernement dit quoi? Il faut rappeler que les premières résolutions sont déjà connues. Ah bon? Ah bon? Quelle résolution comme ça, tonton? L'interdiction formelle de circulation aux engins à deux roues à usage commercial. Comment? Comment ça? Moi, je comprends rien. Encore appelé Benskin dans la ville de Douala entre 20h et 6h du matin. Ouais, le manque à gagner au capital économique en danger. C'est grave. Qui a même pris ces résolutions-là? C'est la résolution forte prise par le gouverneur de la région du littoral aux côtés de tout son état-major et le gradin sécuritaire de la ville de Douala et partant de la région du littoral. Ok, papa, vas-y. La question des bars également. Quelques bars seront donc fermés jusqu'à nouvel avis. C'est le Cameroun qui est en danger. Qui laisse entendre le gouverneur de la région du littoral. Tu sais quoi, papa? Nous voulons écouter le gouverneur lui-même. En tout état de cause, tout semble planifié dans les réseaux sociaux afin d'instaurer une psychose au sein des populations du littoral en général et dans la ville de Douala en particulier. Nous en appelons à un élan de réarmement moral et mental de nos populations. Cependant, à titre conservatoire, pour pallier les dérives et autres perturbations éventuelles programmées, les mesures de restriction des libertés suivantes sont prises. On y va. La suspension de la circulation des mototaxis dans la ville de Douala de 20h à 6h jusqu'à nouvel avis. Vous comprenez dans la compréhension? Maman, on comprend dans la compréhension. La fermeture des débits de boissons et salles de jeux de bar dans certains quartiers cibles. Allah, on a souffert. Voilà les gars, comme les bars seront fermés, venez directement à PK12 chez notre frère Mendel Center. Hein, papa? Oui, papa Fingon, il faut venir avec maman Kingali à Mendel Center. C'est vrai. Mendel Center est une entreprise créée par un jeune Camerounais qui fait dans la pisciculture. Oh, wow. Mendel Center fait dans la production des poissons, la construction des fermes, vente de matériel, ainsi que la formation en pisciculture. Donc je vous conseille, chers parents, envoyez vos enfants à Mendel Center se faire former en pisciculture. De ce que se passe chez nous au pays. Si vous avez également votre événement, vous avez besoin des poissons brisés, contactez Mendel Center, il vient avec son équipe sur place, vous fait briser des poissons. En une heure de temps, il vous brise 100 poissons. Hein? Mendel Center, votre satisfaction, c'est notre priorité. Contactez rapidement le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Monsieur le gouverneur, on vous écoute. Autour de 18h de la journée en question, un groupuscule de mototaximens passe à grande vitesse dans certains carrefours, ameutant les foules et éprouvant un malin plaisir à annoncer l'arrivée des microbes dans ces zones. Vraiment, ça nous dépasse. On aussi, là, on observe. Immédiatement, le dispositif de lutte contre ce phénomène a été déployé. Au résultat, aucun microbe
véritablement rencontrer. Attends. Les gars, vous comprenez? Prions Dieu que le calme revienne le plus vite possible, sinon ceux qui travaillent la nuit vont perdre leur emploi. Je te dis que... J'imagine, mon frère. Les entreprises qui fonctionnent que la nuit vont fermer leurs portes. Les bars et les boîtes de nuit, alors... Tu ne vas pas sortir pour aller ouvrir ton entreprise la nuit de peur que les soi-disant micros viennent piller ton entreprise. Heureusement qu'il y a un reste ouvert 24 heures sur 24. Donc, retrouvons-nous à l'hôtel Montfébé le 17 décembre, demain samedi, pour cette soirée de gala organisée par l'association ABM. L'amicale Barthel Mounira vous invite le samedi 17 décembre 2022 à Yaoundé, hôtel Montfébé, dès 19h pour un gala de charité sous le haut patronage de son excellence l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. Au programme, présentation du projet, humour, prestations artistiques, jeux tombola, levée de fonds, gastronomie et beaucoup d'autres surprises. Guest star, Bendeka, André Maritala, Kaiser Show, Miss Charlotte. Réservation 676 074 744 694 366 799. Ensemble, levons-nous pour donner du sourire aux personnes. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.